Allez, vas-y, mets-toi, voilà. Excellent. Hey, salut, c'est Super Thomas. Je te partage à regarder une vidéo qui déchire. Alors, si ta caquette est plus grosse qu'une baguette, excusez. What's up, everybody, c'est Super Connard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Hitman, nouvel épisode à Bangkok. Konnichiwa, monsieur. Konnichiwa. Namasté. Non, je sais pas comment on dit bonjour. Je suis désolé, je suis un putain d'américain. Je suis touriste, n'habite pas ici. Nous sommes dans le plus bel hôtel de Bangkok. Nous allons tuer, ou plutôt assassiner, une star du rock, un chanteur, un artiste et un avocat peu scrupuleux. Bien le bonsoir, monsieur. J'aimerais récupérer ma clé. Merci. Bon, on va aller voir la chambre d'hôtel. J'espère qu'ils m'ont réservé une belle surprise. La carte de la chambre 205. 205, 205. Deuxième étage. 205, 205. Bonsoir, mademoiselle. La chambre 205, s'il vous plaît. Tu peux pas me répondre? Tiens, va te prendre. Eh, tiens. Goûte. Voilà. Mal poli. C'est pas moi, j'ai tout laissé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, sympa, une chambre de luxe. Intéressant. Ah non, ah, qu'est-ce qu'il fait? Malheureux. Bangkok, quelle ville incroyable. D'ici, je peux tout voir. Présager un meurtre ou une évasion par cette fenêtre. Oh, vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Je suis en train de planifier un assassinat là, hein. Mon dieu, je vais être tranquille dans cette ville. Le coffre-fort, voilà, hop, j'ai récupéré des mines. On va se mettre ça de côté. En attendant, allons nous infiltrer. Allez-y, je ne vous écoutez pas, vous inquiétez pas. Il m'a vu. Ah, pardon. On va se mettre là. Intéressant, première opportunité les amis. Alors il y a le batteur remplaçant qui va venir rencontrer Jordan. Et comme par hasard, on ne sait pas, il me ressemble. Alors on va justement se déguiser en ce batteur. Mais comment est-ce que je vais l'atteindre? Il est là-bas derrière. Jordan Da Silva. S'il vous plaît, je suis invité. Ah putain, merde. Hé, mademoiselle, vous pouvez pas me faire rentrer? Allez, s'il vous plaît. Il y a peut-être que je me déguise en homme du personnel. Bon, je pense qu'il va falloir que je prenne un de ces habits-là. Où est-ce qu'il va, lui? Hé, Chong! Ok, il est là, hé! C'est bon, lui, il peut rentrer. Mais il a des cheveux. Hé! Vite, 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 on se cache! Dans le congélo! Hé? Je ne suis pas là! Non, non! Je ne suis qu'un congélo qui parle! Il n'y a rien dans ce congélo. On va le faire venir tranquillement. Viens voir le congélo. Il arrive. Ouh, il arrive. On va pas plus cacher. Ils sont deux, merde. Cache-toi. Oh, il arrive, il va chercher un truc dans le congélo. Non, le congélo est fermé. Putain, il est juste là. J'espère qu'il veut pas une glace parce que là, je suis pas dans le bras. Tiens, tu veux des glaçons? Tiens, prends-les. C'est le moment, mais j'ai peur quand même. Oh putain. Ah! C'est pas moi! Ah! Vite dans le congélo! Là, j'ai merdé grave. À se cacher! Je ne suis pas là! Il n'y a rien dans ce congélo! Non! Il n'y a rien! Arrêtez! Oh putain, il est encore là! Vous voulez de la glace? Eh ben, il y en a plus! Ah! Il me met en joue! Je vous dis qu'il n'y a rien dans ce congélo, les gars! Allez, arrêtez! Je suis sûr que ça va marcher hein, si je reste un petit moment. Je suis pas caché! Tout doux! Voilà! Tranquille! On reste tranquille! Ah, l'enfoiré, il va déglinguer! Ah! C'est pas grave, on est là! Changement de stratégie, ça n'a pas marché! Je pourrais m'introduire ici, mais il va me falloir une carte. Quel genre de carte? Excusez-moi, vous n'auriez pas une carte pour entrer dans cette salle? Ok, on va tenter autre chose. Je crois qu'on va bien l'utiliser, ce balcon. J'ai réservé. Oh, il est là, il est juste là! Oh merde! Non. Mais genre, je lui ai fait peur, non! Là, j'ai été trop vite, j'ai été stupide. Ah, je crois que c'est lui qui a le badge, regardez. Intéressant, mais ils sont deux. Vous pouvez partir, mademoiselle, j'aimerais m'entretenir avec monsieur. Voilà. Vous en faites pas, je vais juste lui parler tranquillement. Ah, ils arrivent. Merde. Oh, il arrive. Oh putain, il est armé en plus. Il y a un crime ici, il y a eu un crime, monsieur. J'ai peur. Je sais pas ce qui s'est passé, vraiment. Je suis arrivé et voilà, il était comme ça. Oh, il se réveille, oh merde, il se réveille, ouais, carrément. Oh, il s'est réveillé, il va tout dénoncer. Allez, vite. Oh, ça a marché, oui. Oh yes, hop là. Il est où? Oh non, il est parti au bar. On va l'attendre ici. Oh, ils ont trouvé le corps, merde. Jordan, tu peux venir. Il arrive. Jordan arrive. On reste naturel. On va poser une petite mine ici.
Hein? What? Ah, c'est une mine. Ouais, dès qu'on marche dessus, c'est foutu, quoi. Hop! Une petite mine. On n'a plus qu'à attendre que Jordan vienne. Oh merde, non! Non, c'est le garde qui l'a vu, non! Non, tu vas capoter tout mon plan! Arrête! Oh! Mince alors! Une mine qui a explosé, je me demande bien ce qui s'est passé, faites attention messieurs. Jordan est juste là. Il arrive! Cette fois-ci c'est la bonne! Hop! On l'a pas tapé avec des sous. Qui? Il est là. Hop, on va lui faire une petite piqûre. Qui? Viens Jordan. Et voilà Jordan! C'est tout! Ni vu ni connu, parfait! Est-ce qu'il n'y a pas un endroit pour le cacher là? On va le cacher ici, voilà. On va dire qu'il fait une sieste. Hein? Fais une petite sieste. Allez, on y va, c'est parti. Maintenant, on peut aller voir Jordan. À la prochaine. Bon, maintenant, on va pouvoir approcher Jordan Cross, qui est notre première cible. On va se faire passer pour le batteur. Ça va, merci. Je suis désormais Monsieur Da Silva. Wesh, les potes, bien ou bien? Ouais, tranquille. Hey mec, ça va ou quoi? Je suis ton nouveau batteur. Vas-y mec, je te suis. T'inquiète, tu vas voir, je suis de la batterie comme Jean-Jean. Personne ne sait jouer de la batterie comme moi. Le talent, moi, ouais, j'ai commencé ça quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, ouais. Je suis un petit peu la référence du milieu, si tu veux. C'est un studio, le truc. Alors, je suis pas sûr de vouloir jouer devant tout le monde comme ça, dans un studio professionnel. Salut les gars, salut tout le monde. J'espère que je vais pas devoir jouer, parce que je suis pas dans la merde. Installe-toi et montre-le ce que tu sais faire. Alors, ce que je sais faire, alors justement... Je me suis un peu luxé l'épaule hier, donc je suis pas sûr d'assurer. Hein. Bon bah, j'y vais, je me lance, c'est ça? Bon bah, j'espère qu'il sait jouer de la batterie. Sinon, je suis un petit peu dans la merde. Oh, quel talent! Je vous l'avais dit! J'ai vraiment un talent incroyable! Allez, solo! Voilà le travail. Merci tout le monde. Super, ça a marché. Maintenant, on va parler en privé. Une occasion pour moi de me retrouver tout seul avec Jordan Cross. Ma cible numéro 1. Garde l'infiltration. On reste dans notre personnage, tranquille. Après vous, Monsieur Cross. Vous ne marchez pas très vite, Monsieur Cross. Je suis toujours obligé de m'arrêter. Eh, il est bourré. Eh, là-bas, lève-toi. Regardez, il est bourré. J'arrive, Monsieur Cross. Je suis là. J'espère qu'ils vont nous laisser tout seuls pour qu'on puisse parler un peu en privé. Allez, c'est ça. Avançons, Monsieur Cross. J'ai quelque chose à vous dire. Et par contre, si vous pouvez nous laisser en privé, s'il vous plaît, parce que j'aimerais lui parler, lui dire un truc. Si vous venez, je pouvais pas non plus... Parle du sexe. On va parler de sexe. Parfait. Lui et moi. Je peux le pousser. Dis-moi, Jordan, j'ai toujours voulu savoir, vu que tu es milliardaire, est-ce que l'argent donne des ailes? Jordan! Il faut aller le sauver! J'arrive, Jordan! Jordan! Ah bah, ils ont déjà enlevé son cadavre! Ah bah, ils ont été vite! Mais ils ont rien entendu, ces trous du cul! Je sais pas ce qui s'est passé! Oh mon dieu, c'est terrible! Vous êtes les pires vigiles au monde, les mecs, on a rien à foutre! Excellent! La première cible est morte! Le crime parfait! Elle la ferme jamais, celle-là! Ta gueule! Voilà. Ok, me rends, pas de soucis. Aucun problème, monsieur. La folie meurtrière. Ah, il s'est relevé, lui. Hey, j'ai dit de te coucher. Ah, ouais, elle va passer. Hey, grand-mère. Oh putain. Elle s'est envolée. Hey, salut. Elle a fait le grand saut. Ni vu ni connu. Vous allez voir l'assassinat le plus stylé au monde. À la prochaine. Oh non, c'était pourri. J'ai totalement fail. Attends, on va refaire. Voilà, ni vu ni connu, c'est bon. Ça, on est bon. Allez, vas-y, mets-toi, voilà. Excellent. Ah non, encore mieux. Je me place sur la terrasse. Mais oui, voilà. Salut. Il a regardé. Il est parti où, le mec? Je l'ai même pas vu. Et là, personne m'a vu. Ni vu, ni connu. Le meurtre parfait. Hasta luego, el bambino. Esta el bambaco. Soy el asesino de Bangkok. Buenas noches.
J'espère que ça vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu et un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.